Je vous propose une tarte au chocolat. Donc pour la faire, il vous faut 100 g de beurre, 100 g de chocolat, 100 g de poudre d'amande, 3 œufs, 100 g de sucre, un rouleau de pâte brisé ou feuilleté comme vous aimez. On va commencer par faire fondre le beurre avec le chocolat. Donc pendant que le beurre fond, bon, faites attention quand même que ça ne brûle pas. On va mettre notre pâte dans notre plat. Pour bien dérouler votre rouleau de pâte quand vous les prenez toutes faites, faut les laisser dehors pendant 5 minutes avant de la dérouler, parce que sinon ça casse de partout. Donc là, vous avez mis votre fond de tarte, on va le piquer. Quand vous l'avez piqué, on va le mettre de côté le temps de faire la préparation. Donc on le met de côté et on va commencer la préparation. Donc vous mettez à préchauffer votre four à 180 degrés. On va mettre les œufs et le sucre, on va bien mélanger. Quand c'est bien mélangé, nous allons ajouter la poudre d'amande. Et bien sûr, votre chocolat et votre beurre ont fondu et vous les avez lissés, vous les avez bien mélangés ensemble. Donc quand j'avais mélangé la poudre d'amande, j'ai ajouté le chocolat et le beurre. Notre préparation est prête, nous allons le mettre dans notre tarte, dans notre fond de tarte. Quand votre fond de tarte et votre appareil sont ensemble, vous allez les mettre à cuire pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà ma tarte au chocolat sortie du four. On va attendre qu'elle refroidisse et on va la manger. J'ai du monde qui arrive, ça tombe bien. Bon, bah bon appétit. Au revoir.